Salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nouvel épisode, deuxième épisode sur Euro Truck Simulator 2 en 1.50 sur la bêta. Nous sommes cette fois-ci pour une nouvelle mission rapide avec un Scania R380. Je suis en boîte manuelle et nous sommes donc à Paldiski. C'était ici qu'on s'était quitté dans le premier épisode tout simplement. Pour aujourd'hui transporter des radiateurs, on va donc passer par Tallinn avec une petite cinématique, un petit mécanicien ici, un petit garage voilà à découvrir. On va traverser le ferry et découvrir Helsinki, également une petite photo à faire et une cinématique également. Donc ça c'est plutôt pas mal, donc c'est un court trajet pour commencer, 166 km, rien de bien méchant. Nous sommes donc eh bien dans le nord de la map. D'ailleurs pour les pays, on a commencé donc en Suède, on est actuellement en Estonie et donc on va aller en Finlande. Voilà, trois petits pays directement découverts. Il est 1h du matin et donc c'est 9 tonnes de radiateurs, donc un petit chargement tranquille ou bilou sans aucun problème. J'ai fait le tour du camion évidemment, ainsi que de la remorque, le tracteur et la remorque, pas d'anomalie, on va pouvoir partir sans aucun problème. Pas de GPS par contre intégré, ça c'est bien dommage, on va devoir se le mettre ici. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, 1h05 du matin donc. Alors attention, je rappelle que je suis en manuel, alors là ça va être assez rigolo. Ça va être assez rigolo et on peut voir les étoiles un petit peu dans le ciel. Bien que il fait quand même relativement jour dans le nord, quasiment tout le temps. Et ça, c'est cool. Vous avez un nouveau message. Ah. Eh bien, on regardera tout à l'heure le message. Parce que là, on est parti pour rouler. Évidemment. En tout cas, les amis, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis plutôt content. Voilà, vous le savez, je suis très content de faire cette nouvelle aventure. C'est très bizarre de rouler en manuel, mais on va se concentrer. Enfin, je dis ça, mais je roule des manuels dans la vraie vie. Mais là c'est pas pareil dans le jeu, forcément t'as pas le même feeling. Mais c'est plutôt sympa et un Scania quand même plutôt sexy hein. Plutôt sexy le petit Scania. Ça fait toujours plaisir pour les passionnés et les amateurs. Alors on est déjà passé par là hein, dans le premier épisode, on se souvient très bien. J'ai tendance à oublier que je suis en manuel hein, mais je vais rester en 6ème, ça passe. Et on va essayer de pas trop dépasser les 1500 tours. Je pense, pour avoir la meilleure des éco-conduites. On avait vu la police sur le bas-côté. Et en vrai, oui, c'est plutôt intéressant. On va quand même essayer de se faire une petite éco-conduite comme on peut, avec une belle anticipation. Et vous voyez là, ce qui est terrible, c'est que comme j'ai pas le feeling, j'ai pas le ressenti de si je suis trop haut dans les tours ou pas. Alors évidemment, tu le vois avec le compte tour minute, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas le même ressenti. Bon, donc jusqu'ici on connaît puisqu'on y est déjà passé dans le premier épisode. Hop. Oh putain. Ah bah là j'ai déjà failli foutre en l'air l'embrayage. Je sais pas si vous avez entendu. C'est un petit peu cringe. Ça a tiré, ça m'a fait mal au cœur. Hop. On va prendre un petit peu mieux ce virage que la dernière fois. Voilà. Pas de problème à ce niveau là. Et on voit les étoiles. Regardez dans le rétroviseur à gauche. Là c'est super joli. On va pas se mentir, c'est plutôt beau. Même si j'ai hâte de pouvoir mettre des mods. Mais comme dit, le petit retour aux sources en Vania, c'est quand même pas c'est quand même pas dégueulasse hein. Ça fait toujours plaisir. Alors là on va rester en 8ème. Ça me paraît pas déconnant. Il y a 12 vitesses. Et on va découvrir du coup le concessionnaire, c'est le Scania, hein, on le sait déjà. Hein. On l'avait vu dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. J'espère que vous avez d'ailleurs apprécié la petite introduction en début de vidéo. Avec le petit passage IRL. Voilà, donc concessionnaire Scania découvert, ça c'est parfait. Et bien maintenant on va pouvoir à nouveau rejoindre la voie rapide. Oh, attends, on va prendre large là. Wow. C'était un petit peu juste hein, sur l'arrière. C'était un petit peu juste. Alors, où c'est qu'on est là maintenant? C'est quoi ça? La grille.
Ok, c'est toujours des petites communes, des petites agglomérations externes, connexes à la grande ville. Et là, c'est plutôt pas mal, vu que les feux tricolores ne fonctionnent pas quand il fait nuit. Alors, je sais pas si c'est une si bonne chose que ça, parce que là, on va se retrouver bloqué, à mon avis. Ça, c'est le petit souci. Il y a pas mal de circulation. J'ai l'impression qu'on s'est fait arnaquer, là. J'ai l'impression qu'on s'est fait arnaquer. Alors, va falloir quand même s'imposer à un moment donné. Parce que sinon, ça va être compliqué. Oh. Oh. Je l'ai fait avancer, remarque, hein. Oh. Eh, mais c'est que ça marche en fait, les coups de klaxon. Superbe. Ça, c'est superbe. Allez. On va pouvoir rejoindre de nouveau la voie rapide. Ah, c'est, je suis content là. Je savais pas si le klaxon allait fonctionner ou pas. Et il a fonctionné. Allez, direction Tallinn. Oh là là, par contre, petit problème de passage de vitesse là des fois. Là j'étais resté en neutre. Ok. J'essaye de jouer un petit peu avec le ralentisseur, mais le bruit il est dégueulasse, hein. Ah, ça c'est. Les bruits de base du jeu quand même sont pas forcément. Pas forcément terribles. Mais bon. On fait avec. Et là tu sens que le jour a envie de se lever quand même. Le jour a envie de se lever, il va être 2h du matin et en fait le jour se lève. Tout simplement. On a un lever de soleil infini, j'ai envie de dire. Oh là là. C'est beau, c'est beau. Et voilà, on est enfin en 12ème, tranquillement, sur une petite route limitée à 90. Bon là, il n'y a pas lieu de rouler à 90, clairement, et encore moins la nuit. Soyons généreux. Bon, ouais, mais il est plutôt pas mal, on voit ce petit Scania, là, il a 388 000 km, vous le voyez sur le compteur. C'est pas dégueu. Ça tient le choc. Ça tient le choc, alors attention, parce que là ça roule comme des sauvages, j'ai l'impression. Il y en a qui ont l'habitude de cette route, hein, j'ai bien l'impression. Parfait. Alors c'est ça ce qui va être bien aussi les amis durant cette carrière, et c'est ça aussi qui m'a... Mais tais-toi, laisse-moi aller à droite. Oh bah oui, j'ai pas mis le clignotant, alors forcément... Forcément l'assistance... De direction, non pas de direction, de maintien de la voie, il a vu un petit peu flou. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est cool avec cette nouvelle carrière, et c'est un petit truc qui m'avait manqué aussi, c'est que comme là on reprend un petit peu le RP, je veux dire, enfin, tel un vrai joueur qui découvre le jeu, donc avec simulation de la fatigue, simulation des infractions, simulation de pression d'air réaliste, mais c'est aussi que voilà, il n'y a pas de cheat, et maintenant je m'en fous qu'on roule de nuit ou de jour. Parce que, tu vois, nous, les créateurs de contenu sur YouTube, faut savoir qu'on fait toujours en sorte, généralement, de rouler de jour. Parce que pour YouTube, c'est quand même plus agréable, même pour vous, c'est plus agréable de voir des trajets de jour, quoi. Attends, on va éviter de caler, quand même. C'est plus agréable de voir des trajets de jour. Bon, allez tous vous faire foutre. J'y vais. Et là, bah bon, alors, il fait nuit, mais il fait quand même assez lumineux. Mais voilà, je veux dire, s'il doit faire nuit, bah il fera nuit, c'est comme ça. On va vraiment faire ça en mode réaliste RP. S'il fait nuit, eh ben, on va pas faire passer le jour ou quoi. On va continuer de rouler la nuit, c'est pas un problème. Et en parlant de ça, il nous reste 3 heures. Prochaine coupure dans 9 heures. Bon, bah c'est bon. Impeccable. Pas de problème. Et là, on rentre dans Tallinn. Ça va nous mettre découverte, normalement, si je dis pas de bêtises. À moins qu'on l'avait déjà découvert, je sais pas. Parce que c'est peut-être certainement très grand. Ça faisait peut-être déjà partie de là où on était avant. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Bon, on fait attention, hein. On évite de se prendre des amendes de vitesse. Là, je vois qu'il y a le détecteur. On est à 43. Les feux qui continuent de clignoter. On en profite. Fais attention. Ah, du coup, ils peuvent attendre un petit moment, eux. Hein. Oh. Ah ouais. Il y a un beau petit bouchon à droite. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on a à droite? Qu'est-ce qu'on a à droite? Je ne sais pas ce que c'est, mais nous allons très vite le savoir. Déjà, on va tourner. Hop. Et silencieux le camion. Et qu'est-ce qu'on a à découvrir? Une agence de recrutement, je pense. Bien sûr. Oh, le soleil se lève, c'est magnifique. C'est un stade de foot, je pense. Non, c'est pas un stade de foot. Qu'est-ce que c'est? C'est un aéroport, rien à voir. Très bien, un aéroport. Ok, d'accord. Où c'est qu'il y a des avions là? Je pense que ça se passe derrière. Ouais, je pense que ça se passe derrière. On va déjà faire une petite photo pour avoir tout au moins le trophée. Peut-être qu'on va voir un petit peu plus loin. Peut-être qu'on va même voir des avions décoller, qui sait, je ne sais pas. C'est trop chouette, n'empêche, hein, parce que c'est vraiment des endroits. J'ai jamais roulé ici, hein. Je m'en rends compte. Je suis content de commencer l'aventure là. J'ai jamais pris ces routes. Voilà, je ne connais pas du tout cet endroit. Ok, là il y a des quais. Il y a des choses à faire par là. Pourquoi je me cligne autant, je ne sais pas. Je suis une blonde. Voilà, là on va le mettre quand même. Ok. Ah, c'est peut-être un peu frustrant pour vous, je sais pas, mais le fait que je roule en manuel, du coup, je roule à 2 à l'heure. Genre vraiment, quand t'es en automatique, c'est un petit peu plus dynamique. Et là, c'est vrai que c'est pas très dynamique. Bon, j'espère que ça vous dérange pas. Ah là, tu vois, maintenant, on va se mettre un petit peu dans la sauce parce que... Ah non, ça va, il s'est engagé l'autre devant. Ah là, faut vraiment avoir le bon timing. Ah oui. Là, faut vraiment avoir le bon timing. C'est compliqué, hein, avec les feux qui clignotent. Hein. Là, c'est dès le passage dans un carrefour comme ça, c'est n'importe quoi. Hein. Mais bon, ça arrive. Lui, il tourne. Lui, il tourne. Hop, et là, tu fermes les yeux, là. Parfait. Ça passe. Ça passe crème, comme on dit. Là, on va déjà arriver sur le ferry. Ça, c'est plutôt chouette. Tu vois, en manuel, j'anticipe un peu plus. En plus, faut tourner la caméra en même temps. C'est pas évident. C'est vrai que j'aurais pu mettre le traquis. Hein. J'aurais pu mettre le suivi du mouvement de la tête, c'est vrai. Ouh, on a un petit monument, une petite fontaine. Non, pas une fontaine, mais un monument. Très joli. Alors lui, il m'a doublé, il a pas peur. Hein. Lui, il a pas peur. Est-ce qu'on voit qu'il... Oh, c'est beau. C'est très très beau, ça. Ça, c'est très très beau. On voit pas grand-chose. Si on change un petit... C'est dommage qu'on voit pas grand-chose. Hein. Mais c'est très joli. Hein. Les couleurs, tout, machin. Voilà, c'est un peu moins joli, forcément, mais... Ah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. En fait... Attendez. Caméra libre, je me permets. Hein. Ah ouais. C'est mignon. C'est très 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 mignon. D'accord, ok. Bah écoute, j'aime bien. J'aime bien. Et on va même avoir le droit à une cinématique. Attention, hein, 53 km/h, j'ai pas envie de me prendre une amende. Ça peut aller très vite. Et si vous ne connaissez pas le prix des amendes, je vous invite à aller regarder... Le quiz Euro Truck Simulator 2, le lien est en description. Eh ben, j'en profite pour encore faire de la promo parce que c'était une vidéo qui m'a demandé énormément de temps. Le quiz où s'affrontent L7C Fox et Miss contre My Godness, Seb, Turbo Transport, Mister Kalash. Et voilà, un petit quiz palpitant, n'est-ce pas? Avec plein de questions et notamment les amendes. Faut que je tourne où là? Pas là, juste après, d'accord. Et vraiment, hein, les gars,
N'hésitez pas à aller checker la chaîne des poteaux. Parce que il y a vraiment de tout, c'est un régal, voilà. Seb, il est super actif là, il fait plein de vidéos. Et il est super chill et c'est super agréable. Voilà, qualité de vidéo au top et chill en plus. Mais ça, je savais qu'il allait me laisser passer lui en face. Je savais qu'il allait me laisser passer. Mais par principe, je voulais pas lui passer devant, mais... Ouais, voilà, Seb, il fait des vidéos ultra posées, turbo... Après ça dépend quand sortir la vidéo parce que ben, forcément il y a des phases où il est absent mais il est quand même relativement très actif hein. Mister Kalash également et puis Fox bien sûr. Donc voilà, il y a vraiment de tout, différents tempéraments, différentes personnalités. Enfin après vous nous connaissez maintenant. Donc vraiment allez voir les chaînes de tout le monde, vous avez, voilà, il y a pour tous les goûts hein. En plus c'est clair hein. Si vous voulez un gars surexcité, si vous voulez un gars super posé, voilà, il y a vraiment de tout. Et ça, ça fait plaisir. Alors attendez, parce que là, on a la cinématique. Ok, je peux passer par là, c'est bon. Là, on a la cinématique et après, il faut prendre le ferry. Ok. Alors attends, hop, on rétrograde. Pas de problème. Voilà. Bon, on va pas se garer sur la place de parking directement. Hein. C'est juste pour la cinématique, on s'en fiche un petit peu et puis il n'y a pas grand monde comme vous pouvez le constater. Allez, c'est parti donc. Le port de Tallinn. J'espère que ça se prononce bel et bien comme ça. Donc avec le ferry Polaris Lines que nous allons prendre d'un instant à l'autre évidemment. Un petit coup de klaxon. Ah non, ça marche pas, dommage. Ah, la police qui surveille, elle est pas loin. Le terminal pour les passagers. Ah mais du coup c'est pas un c'est un aéroport aussi là? Non, c'est juste un port tout court. Oui bah oui, logique. Avec le soleil qui se lève en plus de manière absolument infinie. Bon là du coup il nous montre juste le port. Donc là on va avoir 20 cinématiques absolument sur la même chose. C'est pas mes cinématiques préférées, vous le savez. Je préfère les cinématiques où on voit la ville sous différents angles. Mais là c'est réellement que le port. Et on entend des bruits d'ambiance. On entend des conteneurs. Et des voitures qui se garent dans le ferry. Voilà, j'imagine que c'est ça, tous les sons. Tous les sons ambiants. Voilà. Magnifique. Je pense que ça, c'est la dernière cinématique. Et j'ai enfin compris comment ils travaillaient, SCS Software. Vous avez vu, on revient sur notre camion là. Donc si on revient sur notre camion là pour ce dernier plan, normalement bah, c'est que c'est bel et bien le dernier. Voilà, tout à fait, je suis un génie. Ouais, je peux travailler chez SCS, hein, c'est pas un souci. Hein, je vais vous faire des cinématiques, mon pote, y a pas de problème. Mais ce sera autre chose que ça. Mince! Voilà, je suis en train de défoncer la boîte manuelle. Alors attends, comment je vais faire pour reculer là? Attends, déjà recule droit. Voilà. Ouais, on va faire un demi-tour. Hein. On va faire un demi-tour parce que sinon... Ah, à moins que... Non, ça passera pas là, de toute façon. Non, on va faire demi-tour à gauche, c'est pas grave. Pas de problème. Là, ça passe sans aucun problème. Et on fait ça proprement dans les règles de l'art. Hein. Voilà. Et là, normalement, on va pas non plus ripper... Bon, après... Ah si, on rip un peu quand même, là. Mais après, la marchandise est pas lourde, hein. Et j'ai pas dit qu'on transportait des pas lourdes. Hein. Je dis juste que la marchandise n'est pas lourde. Donc normalement c'est pas non plus dramatique en soi hein, ce que je viens de faire. Mais bon, j'ai pas non plus exagéré. Ok. Alors j'espère que c'est bien par là qu'il faut aller. Parce que là j'ai plus de GPS en fait. Mais avec un peu de chance avec un peu de chance la barrière est ouverte. D'accord. Helsinki. Ah. Bon, on va suivre la voie 6. Normalement, c'est bien là. Toutes les barrières sont ouvertes. Helsinki. Ouais, c'est bon. Bon, de toute façon, il n'y a que ça comme destination. Hein. Et ça c'est pareil, s'il pouvait y avoir peut-être une mise à jour, bon j'en demande peut-être beaucoup. Mais là vous voyez c'est pas RP du tout, là on traverse tout ça comme si de rien n'était. Mais en vrai ce serait vraiment chouette qu'il y ait de la vie. Bon j'en demande beaucoup.
Mais voilà, et que en gros on soit derrière les camions et que au pire, évidemment on va pas attendre une heure dans la vraie vie, mais je sais pas, qu'il y a une sorte de cinématique d'embarquement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être plutôt sympa parce que là on voit les véhicules qui sont à l'arrêt tous, mais on les voit pas embarquer, tout ça, enfin je sais pas comment dire, c'est... Enfin voilà, ça pourrait être une idée. Allez, direction Helsinki. Nous y sommes, et donc il nous reste plus grand chose hein, en théorie. Hein. Bah, ouais, d'accord, on est juste à côté. On aura même le droit encore à une nouvelle cinématique. Ah oh, mince, à chaque fois j'oublie que je suis en manuel. Terrible. Et là il fait jour, c'est cool. Quasiment 6h du matin. Et franchement, 6h du matin, regardez, on dirait il est midi. Ça c'est... Ça doit être difficile à vivre, n'empêche. Les pays du Nord. Une partie de l'année doit être difficile à vivre, hein, quand même. Pareil, hein, si jamais il y en a qui ont expérimenté la vie dans le Nord, n'hésitez pas à témoigner. Parce que je pense que ça peut en intéresser plus d'un, moi y compris dans tous les cas. Voili voilou, on a une île en face, waouh, j'ai envie d'y aller là. C'est joli. Bon là c'est pareil, là c'est... Le demi-tour il est infernal. Et en plus c'était même pas là, fallait que j'aille là-bas. Oh là là, bah tu m'étonnes que le demi-tour il est infernal. Oh là là, quelle bite. Non mais alors ça, y a que moi pour faire ça hein. Et ça je m'imagine très bien faire ça dans la vraie vie. Le malaise quoi. Le malaise. Ça va que t'es pas dans une usine chimique machin, parce que là je peux te dire que t'y retournes pas une deuxième fois je pense. Hop. Ah, un petit tram qui passe. Bah écoutez, prochain épisode on continuera à Helsinki évidemment. Là on va essayer de faire en sorte de suivre un peu. Alors c'est, du coup c'est des missions rapides pour le moment, donc c'est pas les mêmes camions qu'on a, mais on va essayer de suivre une logique tant qu'on peut. C'est à dire que voilà, prochain épisode on repart de Helsinki et on verra où c'est qu'on ira. Mais au fur et à mesure on repart toujours de là où on s'est quitté, de là où on a livré. Et moi je trouve ça plutôt intéressant. Bon là c'est pareil, je vais faire un bouchon là si je me mets comme ça, mais bon c'est pas grave. Hop. Voilà, c'est juste le temps de la cinématique. Et je pense que là la cinématique va plus valoir le coup. Ah bah non, port ouest d'Helsinki. Ok, dommage, je pensais que ça nous montrerait Helsinki en lui-même. Mais non, c'est encore une fois des images du port. Écoutez, c'est pas grave, c'est l'épisode du port, j'ai envie de vous dire. Mais au moins il y a de la vie. Un joli camion citerne qui passe. Un beau Renault. Est-ce que c'était pas un Renault Magnum? Je n'y connais rien moi les gars en camion hein. Je tente un truc au hasard. Mais non, mais il n'y a même pas de Renault Magnum en plus sur le jeu, je suis con. Enfin, je crois. Mais bon, ça ressemblait quand même, non? Je suis pas fou. Enfin, on dirait, elle est... en tout cas, c'est pas un Renault récent. Voilà, c'est pas un Renault récent. Là, je pense qu'on est d'accord. Voilà, bah, le port, voilà, c'est ici que je me suis foiré à l'instant T. Voilà, nous avons L7C Fox en bas à gauche. Et de charmantes demoiselles qui se promènent. Des jolies bicyclettes également. Qui sont prêts à être volé. Bien évidemment, il y a des conteneurs derrière. Alors ça, c'est le petit péché mignon. Est-ce que je préférerais dans la vraie vie faire du citerne ou du conteneur en transport? Je ne sais pas, mais si je pouvais expérimenter les deux, évidemment, je le ferais. Et c'est la fin, puisque c'était la cinématique où on retourne sur le camion. Voilà, je connais maintenant la méthode. Hop, à chaque fois, je me trompe. Et on est parti. On va pouvoir dételer la remorque à Polaris Lines. Ah là, cet épisode il est sponsorisé par Polaris Lines, hein, clairement avec toutes les cinématiques qu'on a eues. Hop. À ma droite. Je vais quand même attendre. Professionnel de la route, comme dirait Seb, évidemment. C'est notre titre. Qu'on va éviter de... Bon, j'ai déjà fait des dingueries, donc c'est pas grave. Mais... Oh. Bah oui, mais bon, voilà. Ah ouais, mais là c'est la merde. Non, ça passe pas, laisse tomber, ça sert à rien. Tu veux pas reculer en vrai? Non, il veut pas reculer, bah c'est pas grave. Non mais ça passera pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'essayer dans tous les cas. Bon là dans la vraie vie y aurait pas eu de soucis. Ah mais je me disais bien que l'essieu derrière il était directionnel. Sans déconner.
Voilà, bon là dans la vraie vie on se serait arrangé hein. Mais bon, on est sur Euro Truck. C'est pas tout à fait ça avec l'IA. Voilà. C'est bon ? Bon, je pense que... Ah non, ça te dérange que je sois pas derrière la ligne en fait. D'accord. Tu veux que je sois vraiment derrière la ligne. T'es un débile comme ça toi. Ah oui, d'accord. Ok. En plus il y a la police. Avec un S. Deux polices. C'est terrible. Bon allez, maintenant vous avez... Voilà, merci. Merci pour votre courtoisie. Parce que là, à un moment donné, on commence à bien faire. Hein. Hop. En plus, tout ça pour revenir là. Et voilà le travail. Bienvenue dans les conteneurs. Et bien sûr, manœuvre. Oui, bon, ça va. Ça, c'est pas non plus la folie bergère. Tac. En plus là, t'as de la place, y'a personne. Tu fais ça comme un grand, comme un novice, aucun problème. Par contre, du coup, j'ai tendance à me tromper de sens à chaque fois quand je tourne le volant. C'est terrible. C'est excellemment terrible. Et là, demain, je vais reprendre le porteur au boulot et je vais aussi inverser l'essence, je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Tac. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que j'essaie de me mettre droit, c'est quand même plus professionnel. Voilà. Oui, bon, ça va. Abuse pas non plus quoi. Voilà, bah, je crois que nous sommes sur notre place de parking tout simplement. En plus, c'est bien, les places sont larges. Hein. Ah là, les places, elles sont larges. Hein. Si vous regardez pas évidemment le marquage vert hein, qui ne veut rien dire. Qui n'est même pas centré d'ailleurs, le marquage vert de toute façon. Mais ouais, les places sont relativement grandes, donc ça fait plaisir. Bon bah voilà, c'était relativement cool. Enfin, relativement simple. Donc voilà, c'est un petit début d'aventure de toute façon. Hein, c'est forcément des petits trajets, mais c'est toujours sympa. Mais bon, ce sera encore de mieux en mieux. Et c'est ça ce qui est vraiment chouette. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est. On est à 7000 euros. En vrai, ça va quand même relativement monter assez vite, je pense. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les amis, si c'est le cas, le petit like, ça fait plaisir. C'est la récompense. Et puis le commentaire, tout simplement. Et puis on se retrouve très vite. Ciao tout le monde. Eh ouais, je flex. Eh ouais, je flex. Get mes réflexes. Get mes réflexes. Emoji biceps. Emoji biceps. M-colo the best. M-colo the best.